Evian Thonon-Gaillard 5e accueille Valenciennes 14e. Une équipe d'Evian Thonon-Gaillard sur 2 défaites après une série de 3 victoires. L'équipe de Safet Susic va donc essayer de retrouver la bonne carburation. Ce sera sans Fall, Tejeda et Nsikoulou, tous blessés. Valenciennes de son côté a beaucoup d'absents. Baradji et 6 sont suspendus. Asbag, Ndao, Dacosta et Roudet sont toujours blessés. Une équipe de Valenciennes en difficulté dans ce championnat. Et ça débute très mal pour les nordistes. L'ouverture du score pour Evian Thonon-Gaillard à la 12e minute. Le but de Gianni Bruno, c'est son 3e de la saison. Ça fait déjà 1-0 et Valenciennes va devoir vite réagir. Une équipe de Valenciennes qui a tout de même remporté 4 des 6 matchs joués à l'extérieur depuis le début de la saison. L'équipe de David Lefrappère a pris la plupart de ses points à l'extérieur. Et la réaction, la voici avec ce ballon intéressant dans la surface. Un crochet de plus, la frappe et c'est sauvé par Benjamin Leroy. Une très bonne opportunité pour Opinguet d'égaliser. Et Vianton de Gaillard qui décide d'accélérer de nouveau pour doubler la mise. Le centre en retrait, puis cette reprise. Le ballon est légèrement dévié, mais le but est quand même attribué à Quentin Gakoutou. Premier but de la saison pour lui à la 28e minute. Très beau réalisme offensif pour Evian Thonon-Gaillard. Ça fait 2-0. Damien Perkis n'y peut rien. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Valenciennes n'a remporté qu'une seule de ses 6 dernières rencontres. Et le score est inquiétant à la mi-temps. Evian Thonon-Gaillard réussit le match quasiment idéal. Safet Susic sait que c'est une très bonne opportunité de se rapprocher du podium et de véritablement jouer la montée dans la suite de la saison. Attention tout de même au retour du vestiaire avec cette nouvelle opportunité pour Valenciennes et une très bonne parade pour Benjamin Leroy. Le gardien des Hauts-Savoyards est très efficace, c'est lui qui permet de maintenir le score. Pierre Slidja n'a pas réussi à réduire l'écart. C'est presque trop tard pour Valenciennes. Nouveau ballon en attaque pour Gianni Bruno. L'angle est fermé, mais il frappe très fort et à bout portant. Ça fait 3-0. Le doublé pour Gianni Bruno. 4e but de la saison à la 72e minute. Le score est désormais trop lourd pour Valenciennes. Impossible de revenir dans le match pour les visiteurs. Evian Thonon-Gaillard complètement libéré. Et ça se voit sur cette nouvelle action. En profondeur pour Cédric Barboza. Et le petit lob très astucieux du milieu de terrain d'Evian Thonon-Gaillard. À 5 minutes de la fin, le score est de 4-0. Et déjà le 4e but de la saison pour Cédric Barboza. Le vétéran a encore beaucoup de qualité. Ce but est un des plus beaux de la journée. Et ça fait 4-0. Un score très lourd en faveur d'une équipe d'Evian Thonon-Gaillard très en confiance. 4-0, c'est le score final.